Alors bonjour Benoît Côté, merci beaucoup de nous accueillir Merci à toi. donc, dans votre studio, Studio Éléments. On va peut-être commencer par votre parcours, votre formation, d'où vous venez, comment vous êtes venu en fait à ce métier de coloriste. D'accord, ouais. J'ai commencé par faire des études en photographie. J'avais une nette attirance pour la photo depuis très longtemps. Et puis, donc, j'ai étudié la photographie dans un collège ici, un cégep qui est de Matane, qui était très bien placé pour la technique, mais c'est ultra reculé, là, c'est dans le bas du fleuve. Après le cours, je suis venu tout de suite à Montréal, commencer à faire de l'assistanat, un peu de pige. Mais assez rapidement, un photographe pour qui j'avais énormément d'admiration a eu besoin d'aide dans son studio. Et puis, c'est un photographe qui était très populaire, qui faisait de la publicité. Et dans le fond, j'ai trouvé emploi à temps plein avec lui. Assez rapidement, je me suis mis à faire de la retouche photo, du compositing. Puis, encore assez rapidement, peut-être 6 à 8 mois plus tard, j'ai touché la première job de colo. Parce que lui, à l'époque, il commençait à réaliser des spots. Et dans le fond, on avait ces spots publicitaires qu'on avait tournés, puis on ne soupçonnait pas qu'on pouvait le faire encore à l'interne, là, sur nos machines. Donc, il avait été les faire la colo ailleurs en ville. Et quand ils sont revenus avec la facture et tout, là, j'étais un peu subjugué, puis j'étais comme, c'est sûr qu'on arrive à faire quelque chose à la maison. Fait que dans le fond, j'ai ramassé les sources, puis j'ai refait quelque chose. Donc, en plus, le travail, c'est que comme c'était très cher, ils avaient coupé dans le temps, alors la finale était un peu bâclée. Fait que pour moi, ça a été de travailler là-dessus, de l'améliorer. J'ai eu tout de suite un gros coup de cœur pour la chose. Puis, j'ai continué à faire de la retouche photo, mais dès qu'on faisait des spots, puisqu'on faisait les deux, donc on faisait des spots publicitaires ou des vidéoclips, mais là, c'est moi qui faisais la colo dessus. Jusqu'à, je sais pas, peut-être là, 4 ou 5 ans, où je me suis rendu compte que le métier de retoucheur nuisait au coloriste. Où je m'attardais trop dans les fins détails, trop vite. Et là, j'ai décidé de couper sec ma contribution dans la retouche photo pour juste faire de la colo. Puis ça a énormément amélioré mon rendement puis mon efficacité. Puis mon approche de prendre les choses beaucoup plus globalement. D'accord. Ouais, c'est ça. Alors, et si on revient du coup à la formation, alors, l'école c'était en quelle année? Je pense avoir fini 2002-2003. D'accord. Ouais. Et du coup, dans cette école-là, vous avez appris le photochimique ou seulement l'argent? Il y avait l'argentique, non. D'accord. On était là. Je pense le dernier, ou tout le monde dans les derniers programmes à avoir, fixé sur l'argentique. Là. On touchait un peu au numérique, on faisait un peu, un cours ou deux de prise de vue numérique et puis de traitement numérique aussi. Donc, déjà, j'avais un intérêt pour la retouche. Puis, je parlais du photographe que j'admirais pour lequel j'ai travaillé, mais à Matane, dans les corridors, il y avait des immenses affiches de ces jobs-là. Puis c'était justement des compositing ahurissants. Fait que c'est ça, l'avantage, puis ça me sert encore énormément aujourd'hui, c'est d'avoir appris la photo en numérique, d'avoir développé moi-même le film, d'avoir fait des tirages. Je pense que c'est peut-être pas... c'est certainement pas aussi... hot que quelqu'un qui aurait fait
fait de la colo carrément sur du film. Là. Ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé. Là. Mais je suis très content d'être passé par là. Ouais. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le photographe du coup, qui a joué ce rôle là, de maître, en fait, à la sortie? Oui. C'est Olivier Staub, le photographe. Ah, oui, c'est ça. Ça fait très longtemps que je travaille avec lui. Il est encore quelque part sur l'étage. C'est ça, donc on est des collaborateurs, on se comprend super bien, on a de l'aisance à travailler ensemble justement parce que ça fait si longtemps aussi. Mais avec lui, on a toujours repoussé. C'est quelqu'un qui est vraiment un fonceur, qui n'a pas peur d'essayer panoplie de nouvelles choses. Puis, avec lui aussi, j'ai eu énormément de temps de recherche pour se dépasser, pour trouver des nouvelles choses. C'est quelque chose qui me sert énormément au jour le jour, là, tous les acquis que j'ai eus. Et aussi le fait que qu'ils prennent des risques aussi grands. Ça fait aussi en sorte aussi qu'au travers de ces prods-là, il y a certaines erreurs qu'on apprend à corriger aussi. Puis ça a été beaucoup très salutaire. Parce que maintenant, je suis beaucoup plus confiant en salle parce qu'il n'y a pas, ou en tout cas, il y a très peu de problèmes que je ne peux pas régler. Mais encore récemment, il y en a un qui est arrivé. Il y a un truc qui est arrivé que je n'avais jamais vu. Mais fait que dans le fond, on ne sait jamais d'apprendre. Du coup, quand vous avez été embauché par Olivier Staub, mm-hmm. ça. Et donc du coup, ça c'était dans le cadre d'une société. Ouais. Qui s'appelle du coup. Ça a eu plusieurs noms. Au tout début, c'était Staub Photographie, ensuite Staub Studio. Quand c'est devenu Staub Studio, on avait agrandi un peu. Suite à ça, Studio a été acheté par Attraction Média, qui avait acheté aussi une autre boîte de production, deux autres boîtes de production à Montréal. Ils ont réuni, c'est devenu La Cavalerie. D'accord. Moi, j'ai suivi, puis ben, j'étais le coloriste de La Cavalerie. On avait un département de post-production à l'interne, donc c'était de la production intégrée. Et récemment, ça fait un an, et des poussières. La Cavalerie s'est départie de son département de post-production, que Studio Élément a racheté. D'accord. Et encore une fois, j'ai décidé de rester parce que ouais. j'aime bien l'environnement et puis les gens avec qui je travaille. Puis, pour conclure, après, on va retourner du côté de Traction Média prochainement. D'accord. Mm-hmm. Donc du coup, finalement, vous êtes resté toujours dans la même société qui a été rachetée. Mais les visages ont énormément changé. Là. Ouais. Il y a quelques visages qui sont restés, comme notamment Olivier, Émilie, une des productrices qui est là depuis presque aussi longtemps que moi. Mais par contre, tout autour, ça a énormément bougé et énormément évolué. Puis nous, on a énormément évolué aussi par la même occasion. C'était extrêmement rapide parce que là, en fait, si vous êtes sorti de votre école vers 2002, c'est ça? Ouais. Du coup, là, on est en 2016, ça fait 14 ans, ça fait 4 à 5 sociétés en fait en 14 ans. Ça fait beaucoup. C'est incroyable. Ouais. Parce que j'avais regardé du coup les images, en fait, le site de La Cavalerie. En fait, c'était dans un environnement qui était à l'extérieur de Montréal. Il y a des images, on a l'impression que c'est une sorte de ferme, enfin, c'est que c'est présenté. Ah non, je pense que c'était le design de la chose. Là. Oh, ouais. Non, les locaux étaient ici, sur le même étage. D'accord, ouais. Ok. Ouais. D'accord. Et puis, quand Studio Élément a acheté, finalement, d'accord. On a mis un mur. D'accord. Et La Cavalerie existe toujours, mais fait de la production. Présentement, La Cavalerie n'est plus. N'est plus, d'accord. Elle a été fusionnée avec Jet Film. Oui. Et maintenant, ça s'appelle Morrison, et c'est chapeauté par une autre compagnie qui s'appelle Mylan. D'accord, donc. Ouais, là, c'est compliqué. Ça en fait déjà plusieurs sociétés.
Et donc du coup, aujourd'hui dans Studio Élément, vous êtes combien de coloristes et vous travaillez sur quoi ? Ah, on est... Il y a Studio Élément à Québec et puis à Montréal. Montréal, je suis le seul coloriste. À Québec, ils sont deux. Un des propriétaires et coloriste également. Et on travaille sur Da Vinci Resolve. D'accord. Ouais. Et vous avez été formé, quand vous avez commencé à faire de l'étalonnage numérique, vous avez été formé sur cette machine-là ? Non. Non ? Non. Au tout début, peut-être première job dans After Effects. Suite à ça, qu'on a vu que c'était possible de le faire, on a regardé un peu autour. Là, il y avait Apple Color qui était disponible, qui était très peu dispendieux. On est sauté là-dessus. Jusqu'à ce que Resolve apparaisse. Je ne sais pas quelle année, c'était Resolve 7 ou 8 sûrement qu'il est venu. L'apprentissage, je l'ai fait de moi-même. D'accord. J'ai pas pris de cours ici. Mais j'ai quand même puisé énormément d'informations un peu partout sur le web. Puis voilà. Mais il y a beaucoup de trucs qui sont transposés, des connaissances que j'avais acquises de Photoshop, qui sont transposées. Puis beaucoup de, à force de faire de la recherche, de techniques que j'ai développées ils sont pas enseignés. Ouais. C'est des sources secrètes. Et ça que je trouve vraiment intéressant dans votre démarche, c'est qu'il y a effectivement tous les projets que vous menez, et puis il y a effectivement une partie, ce temps de recherche en fait, qui vient s'ajouter en plus, c'est ça ? Mm-hmm. Parce que c'est vrai que d'autres étalonneurs à qui j'ai posé la question, en fait finalement c'est les projets qui les amènent en fait à découvrir le nouveau look, etc. etc. Et il n'y a pas ce temps-là, en fait, qui vous semble assez particulier, en fait, ce temps en plus, en fait, où vous cherchez. Alors, vous cherchez à partir de quoi ? De vos propres photos, de vos... Du temps, on m'en offre, mais j'en donne aussi, j'en prends de mon temps personnel. C'est pour ça que j'arrive à le faire. Mais c'est que de projet en projet, je conserve toujours sur des still frames ou des bons. Puis finalement, ma bibliothèque se remplit. Et puis quand j'ai du temps pour builder les grades, ben je les build sur la totalité en regardant comment ça se comporte sur tel genre de matériel, tel genre, en tout cas, ça me donne un bon éventail. Effectivement, c'est vraiment comme ça que je procède. Et est-ce que du coup, parce que ça c'est aussi des choses qu'on voit du coup dans vos bandes de démonstration sur votre site, est-ce que c'est quelque chose en fait que vous parfois montrez en fait aux clients en fait pour dire voilà. Regarde ce que j'ai fait là, est-ce que c'est quelque chose comme ça que est-ce que ça sert de base non, de communication? En fait, non. Je m'en sers pas, peut-être que je devrais, mais je me sers de ce temps de recherche-là pour développer des principes, comment aborder tel genre d'image ou des trucs comme ça, comment développer certains looks, mais de façon... général, je dirais presque à 100%, quand un projet arrive, je pars de scratch. Mais avec tous ces principes-là en tête, puis un coffre à outils ou une série de sections de grades sont conservées, puis que je peux appliquer, modifier. Mais il n'y a pas de... Certaines personnes préfèrent y aller en jetant différents grades déjà conçus pour voir tout de suite là où ça va. Peut-être que prochainement, je vais faire ça. Parce que je trouve qu'il y a un bon côté à mon approche, mais aussi le pendant de... Il y a quand même un truc vraiment intéressant de pouvoir voir l'image très rapidement dans une dizaine de sources différentes. Là. Mais souvent, les gens ont une image très arrêtée de là où ils veulent aller. Alors, comment ils communiquent alors sur leurs images? Ah, ben, comme ils peuvent. mais c'est ça, c'est à coup de discussion qu'on arrive. Si c'est des gens nouveaux qu'on ne connaît pas, c'est avec un paquet de discussions qu'on arrive. Des fois, les gens ils disent quelque chose, mais ils veulent dire carrément le contraire, ou peut-être pas le contraire, mais quelque chose d'assez différent. Donc, si on parle vraiment en parlant, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est
Au départ, j'avais le réflexe de tout de suite sauter sur le board quand j'entendais quelque chose. Ah oui, OK, on va faire ça. Mais maintenant, c'est que je le vérifie, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire, parce que souvent, c'est pas du tout. Ouais. Fait que c'est du temps jeté aux poubelles. Alors, justement, en parlant de temps, vous avez combien de temps, quand vous travaillez sur une publicité, combien de temps? Ça varie énormément. Ça varie entre, je dirais, ici, on s'offre des 4 heures et des 30 secondes, minimalement, ou une journée. Ça dépend beaucoup du travail. T'sais, certaines fois, la production n'a pas super bien été. Ils étaient en extérieur, la lumière jouait contre eux. Ou, bon, pour différentes raisons, ils ont besoin de plus de travail. Puis c'est un des bons côtés à avoir des boîtes intégrées entre elles, parce qu'on peut un peu davantage s'entraider pour pallier à certains trucs. Parce que du coup, Studio Élément travaille avec certaines boîtes en particulier pour la production des publicités. On travaille beaucoup plus. Ben, je parle comme si c'était devenu, de retour à l'intégration avec Attraction. Mais même depuis que c'est Studio Élément, on travaille beaucoup plus avec certaines boîtes en ville. Parce qu'il y a des affiliations. Certaines boîtes ne vont pas à certains endroits. Il y a des DOP qui veulent travailler avec moi, mais qui ne peuvent pas parce que... Oui. Parce que on peut pas venir ici. Voilà. Alors, comment ça se passe alors, dans ce cas-là? Est-ce que vous, ça peut vous arriver en fait d'être pigiste exceptionnellement sur un autre projet? Non. On peut pas. Ça a déjà été soulevé, mais c'est parce qu'il y avait quelque part, ils perdraient, mais je comprends. Là. Moi, j'étais super intéressé à faire le projet, sauf qu'ils perdent toute leur edge. Si la personne que tu emploies peut partir comme ça. Faire un job chez le compétiteur, ça fait plus beaucoup de sens. Et alors, est-ce que du coup, l'idée de passer pigiste, de devenir pigiste, de passer freelance, est-ce que ça, c'est quelque chose... C'est pas quelque chose que j'entrevois. Mm. J'entrevois quand même d'avoir un truc à moi, mais pas freelance. Parce que j'aurais du mal, tu sais, en tout cas, mes trucs sont tellement... customiser, puis j'aurais du mal à arriver comme ça, débarquer, puis tomber sur n'importe quel board, puis je m'en voudrais de pas être assez efficace. Je sais pas. Mm. Certaines personnes s'adaptent super vite. Moi, c'est pas ma grande force. Et par contre, l'idée d'être, d'avoir effectivement une sorte de micro-société où vous auriez votre console, votre équipement. Ouais, non, ça, oui. Ça, c'est possible. Ouais, ça, c'est possible. Avec la famille, on pense éventuellement partir un très long voyage. Mm-hmm. Fait que, dans le fond, je vais avoir une suite de colos avec moi que je vais traîner partout. Ça va être beaucoup plus léger, mais ça va être pour être capable de travailler n'importe où. Fait que ça va être très, très intéressant. Puis aussi, ça va du même coup, quand même, je disais non au freelance, mais quand on va être sur la route, s'il y a un film à faire en Inde, je vais pouvoir y aller. Vous allez devenir coloriste indépendant, un itinérant en fait. Itinérant, c'est ça. Ça. Nomade. Et alors, qu'est-ce que vous allez emmener là, par exemple là? Pour un coloriste nomade, là, ça va être un moniteur plus petit que ça. Le board va être beaucoup plus petit aussi. Récemment, ils en ont manufacturé qui sont peut-être gros comme ça. Oui. C'est très, très, très léger, plastique et tout. Donc, ça se range bien dans les valises. Puis, je vais sûrement avoir un ou deux claviers comme ça parce que je peux les programmer pour faire une série d'opérations et je gagne vraiment beaucoup de temps avec ça. Ce qu'on ne peut pas faire avec tout ça, c'est des gens de chez Blackmagic qui décide de comment telle touche est programmée et tout. C'est vraiment top, mais ça prend beaucoup de place. C'est sûr que si je pouvais me le permettre, je l'aurais là. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ce que vous avez là devant vous là? Ah, mais c'est un board d'une compagnie qui s'appelle Tangent qui le fabrique. Parce que Resolve fonctionne avec ils ont un panneau de contrôle à eux, qui est propriétaire, qui est beaucoup plus gros. Il y a certaines
certaines opérations qui sont possibles de faire sur le board, mais qui, par exemple, sur un autre, un board tiers, c'est impossible. Mais pour avoir essayé les deux, j'ai pas essayé longuement l'autre, le vrai, mais je préfère celui-là. Parce qu'il y a un paquet, justement, un paquet de touches que je peux mapper sur le reste. Et c'est, ça a une forme plus simple, plus légère, modulable. L'autre board, c'est très, très gros. Mais sommairement, les touches ici, c'est pour ajouter... Ben, il y a différents menus, mais c'est pour aller dans... dans certaines sections du logiciel, pour faire des sélections, pour se mettre en mode, pour faire des ajustements dans les hautes, dans les basses. Il y a des modes vidéo, des modes log pour grader. Donc, tu peux passer d'un à l'autre. En tout cas, il y a différents menus ici. Les knobs, c'est quoi? Les petits boutons. Ouais, en tout cas, boutons. Ces boutons-là qu'on peut tourner, c'est d'autres types d'ajustements pour raffiner les sélections ou ajouter des points de rouge, de vert, de bleu, tout ça. Le transport. Ah oui, transport. Le transport ici. Et, parce que là, donc, il y a les couleurs primaires. Oui, parce que dans le fond, j'ai peut-être un peu escamoté tout ça. Les couleurs sur les boules ici. Ouais. Puis, les hautes lumières, les mid-tones et puis les shadows ici. D'accord. Le transport est là. Cette boule-là, tu vois, elle n'est pas mappée. Ouais. Mais cette quatrième boule, normalement, elle pourrait servir à faire un offset linéaire, là, général, sur ce que j'aimerais beaucoup avoir. Là. C'est une des choses sur le board. Ça permet de faire quoi, du coup? Enfin, qu'est-ce que ça... C'est que quand on travaille en log, on peut faire la balance des blancs vraiment instinctivement avec ça, plutôt que là, il faut que je le fasse en rouge, vert, bleu. Ah oui. Fait que là, j'ai trois knobs plutôt qu'une boule à déplacer. Voilà. Je me suis trouvé une toute petite tablette graphique qui est rentrée dans... Fait que ça commence à être très ergonomique. Là, avant, c'était beaucoup plus gros. Ouais. Petite tablette graphique qui partira aussi... Qui partira aussi en voyage. Là. Ouais. C'est prévu. Et même donc, ce sera... Mon nom aussi. Vraiment, donc, ce sera une sorte de tour du monde. Donc, l'Inde... On parle des pays d'Asie. Mmh. Puis l'Amérique du Sud, qu'on aime bien. Mais... Dans un premier temps, ça va être beaucoup en Asie. C'est un beau projet, alors ça c'est prévu pour quand? On espère dans un peu plus d'un an ou un an. Mais il faut que ça concorde avec un paquet d'autres trucs. Mais c'est un truc vraiment intéressant là, de puis faire l'école à la maison. Ah oui. Puis, tout faire, ouais. C'est ça, parce qu'on est sur la route. D'accord. Ouais. Donc, vous avez eu un projet, le projet M, qui était en fait une série qui est devenue du coup un film. Ouais. Vous avez étalonné à la fois la série et le film. Vous avez réétalonné pour le film. On avait procédé en épisode, mais dans le fond, la série a comme jamais existé dans la tête du réalisateur. La série était un prétexte à faire un film. D'accord. Fait que le film était un code d'armes quelque part de la série. Puis c'est ça, c'était un réalisateur qui était avec nous à la cavalerie avant. Super beau projet, une équipe ultra motivée. Ils ont fait des miracles. Puis bon, évidemment, je regardais le offline, puis j'avais tout de suite eu envie d'embarquer. Puis ouais, donc on a travaillé en épisode. D'accord. Donc, il y avait une dizaine d'épisodes, je ne sais pas, 10, 12. Moi, j'ai vu le film, donc je ne sais pas. Tu as vu le film, ok. Ouais. Ok. Et donc, du coup, vous êtes repassé en fait au niveau de l'étalonnage quand ils ont sorti le film. Parce que du coup, je ne sais pas s'il est sorti sur les écrans. Je pense pas. Il était en salle, il était projeté un peu partout, dans les festivals et tout. Ouais. Mais il n'y a pas eu d'autres passes. Il y a sûrement eu une conversion quelconque là, pour se mettre au spec, là, mais il n'y a pas eu d'autres colos. Et là, du coup, est-ce que
Vous vous souvenez des références visuelles, en fait, des directives, de ce qui était cherché? C'était un réal avec qui je travaillais beaucoup. Je connaissais pas mal ses goûts en termes de couleurs. Alors, on a pu en mettre quand même passablement, parce que tout est, à la base, tout est gris, là. C'est, puis à la fin, tout est très, très bleu, hormis certaines scènes. Ça a été vraiment très, très, très intéressant de le faire. Puis tout à l'heure, je parlais de difficultés qui venaient du monde de la retouche. Certains mauvais plis ou certaines façons d'aborder certains problèmes qui n'étaient pas optimales. Mais sur ce projet, tu sais, j'en ai frappé plusieurs. Mm. Puis ça a été vraiment intéressant parce que, bon, ça a été plus dur, mais au final, j'ai énormément appris de ce projet-là. Développer plusieurs approches plus globales. Ouais. Et du coup, même si ça a été traité en petite série, en fait, comment vous définiriez les différences entre ce que vous faites en publicité et ce que vous avez fait pour ce projet-là? Ah, ben ça, c'est à toute fin pratique, pareil. Ouais. En publicité, c'est plus rare qu'on va pousser autant un look, en tout cas, dans les dernières années. Mmh. On est encore un peu pris avec la tendance très bas contraste et tout. Mais ouais, il faut qu'on pousse un peu moins de cet ordre-là. Mais c'était la même approche. Non, c'était pas la même approche. Ça se ressemblait, mais c'était une approche un peu plus, dans le fond, subtractive. On a commencé par avoir imaginé un espace qui a toutes les couleurs, puis on a commencé à en enlever. D'accord. Pour se faire un peu comme une, je sais pas, une sculpture, pour qu'à la fin, il reste que certaines couleurs précises qu'on avait décidées, puis c'est ça. D'accord. Fait que, dans le fond, le look est construit de cette façon-là. Mm-hmm. On ne s'est pas tant concerté, mais si on prend le recul, on regarde comment tout ça a été bâti, c'est ce que ça donne. Et dans un entretien justement que vous avez donné qui était paru dans Qui fait quoi, il y a cette idée en fait justement où vous dites ce qui m'intéresse en publicité, c'est que je peux aller très loin dans l'image, prendre le temps sur tous les petits détails, etc. Ce que je ne pourrais pas faire si je faisais des moyens ou des longs métrages. Alors, est-ce que vous pensez toujours ça? Est-ce que c'est... Je pense que c'est tout à fait possible d'aller tout aussi loin. On l'a vu récemment dans... récemment, il y a des breakdowns qui sont sortis de Revenant, où ils ont traqué les visages du début à la fin, puis relighté. C'est le genre de truc que c'est mon quotidien, sauf que là, c'est appliqué sur un long métrage. C'est vraiment autre chose. Fait que ça, c'est très excitant. En tout cas, moi, je trouve ça très excitant. Fait que oui, c'est possible, mais on a, dans le marché ici, on n'a pas les budgets... pour se permettre ça. Pas encore. Peut-être que les outils aussi vont se développer énormément pour abonder dans ce sens-là prochainement. Ce serait intéressant. Mais vous auriez envie sinon, dans les conditions actuelles, en fait, d'aller plus vers le long métrage? Mais là, je ne suis pas pressé d'y aller parce que j'aimerais bien aussi faire une entrée pas passer inaperçue quand je vais mettre en enfer davantage. Mais ouais, c'est sûr que ultimement, j'ai un gros intérêt pour la narration, parce qu'on peut pousser beaucoup plus les ambiances, puis on peut se permettre beaucoup plus de choses vu que le spectateur est en salle, et puis il est là depuis un moment, puis il y a un paquet de trucs qu'on peut pas se permettre sur un spot de 30 secondes ou un vidéoclip qui là, sont possibles. Puis ça, c'est en soi, là, c'est beaucoup beaucoup de possibilités qui sont très excitantes. Là. Justement, en parlant de vidéoclips, vous avez quand même... ce qui m'a surtout frappé et ce que j'ai pu voir, en fait, sont les clips de Salomé Leclerc. Ouais. Est-ce que vous pouvez du coup me parler? Parce que vous en avez fait beaucoup, en fait, de cet artiste. Deux, trois, ouais. Quatre, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais avec Salomé... C'est pas une artiste que je connais. Je la connais, je l'ai croisée. On a discuté comme ça, là, mais ça me vient d'un réalisateur avec qui je travaille depuis longtemps, Dominique Laurence.
à qui j'ai fait beaucoup de publicité, beaucoup de clips aussi. Puis, c'est ça, Dom, lui, ben maintenant on peut se le permettre, mais quand il fait un vidéoclip, il met tout le budget sur la production, il ne se prend pas de cachet. Bon, fait, au final, on a toujours des beaux produits existants à travailler. Avec Salomé, là, le cheval tout en LED, ouais, bon, ça, c'était comme « Oh, OK ouais. ». Mais dans le fond, il sert de ça pour faire des tests, pour se dépasser, pour… Parce qu'il y en a, alors je ne sais plus si c'est Dominique Florence qui l'a fait, qui est à base de pellicules grattées… Oui, ben c'est ça, il l'a fait, c'est, je pense aussi, que ses transferts, ils l'avaient fait chez Mels. Ouais. Puis là, mais lui, c'est ça, il l'avait fait lui-même, tous les scratchs, je ne me rappelle plus quel produit il avait utilisé, mais bon, ça avait été quelque chose. Ouais. Mais moi, j'étais passé, celui-là, parce qu'il y avait déjà eu un Techlight ou un Bestlight qui avait été fait. Mm. Enfin, dans le fond, nous, on a ramassé la suite des choses, mais tout y était déjà, j'avais pas grand-chose à faire. D'accord, ouais. Ouais. Il se finalisait. J'étais comme déçu. Vous êtes rattrapé sur d'autres clips. Oh, ouais, sont, ouais. Non. Ils sont magnifiques. Effectivement, la question des couleurs, elle joue à chaque fois énormément, en fait, pour l'univers de chaque clip. Est-ce qu'on peut venir, en fait, à cette question du rendu de la peau, du lissage de la peau, jusqu'où, parce que ce qui m'a frappé par rapport, effectivement, à d'autres étalonneurs que j'ai pu rencontrer dans le long métrage, c'est à un moment, bon. Il y a beaucoup d'étalonneurs qui font des plans dits cosmétiques, hein, qui peuvent allonger un visage, rajouter des ombres, etc., lisser un petit peu la peau. Mais il y a aussi beaucoup d'étalonneurs qui disent « à ce moment-là, en fait, c'est là où je lâche et ça ira aux effets visuels. Mm-hmm. » Et moi, ce qui m'a frappé en fait, dans le travail que vous faites, c'est que en fait, j'ai l'impression que vous prenez beaucoup ça en charge. Et je voulais savoir en fait, quelle est la frontière pour vous entre eux, à quel moment vous lâchez pour que ça aille chez quelqu'un d'autre, pour aller aux effets visuels, jusqu'où vous allez. Ben, je vais lâcher si j'ai à le faire puis que ça améliore pas le grade. Il y a, je pense à certains cas de lissage de peau et tout, que sans ça, le grade n'aurait pas existé. Sans ça, les clients seraient assis en salle, ils auraient dit « Ah non, vous êtes malade. » Parce que le grade était vraiment ultra agressif puis faisait ressortir un paquet de défauts. Mais on n'aurait pas pu dire non, ça va être magnifique, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va le retoucher. Il fallait que je le fasse avant, puis personne ne l'a jamais su. Au final, ça sert énormément. Puis je trouve que c'est vraiment la meilleure. En colo, c'est vraiment le meilleur endroit pour faire ces retouches-là, parce qu'elles n'existent pas encore. Puis on peut voir la portée que ça a, modifiée. En tout cas, tout est encore live. Puis. Certaines techniques que j'utilise puis que j'ai développées, j'ai partagé ça beaucoup sur le web, justement pour que d'autres coloristes se mettent à les utiliser, parce que je me rendais compte qu'il n'y avait personne qui utilisait ça. Même en online à Montréal, si on remonte à, je ne sais pas présentement, mais il y a 2-3 ans, j'avais des potes qui connaissaient des gens en très haut placé qui utilisaient pas ces techniques-là. Je trouve que les gens utilisent il y a un truc pour adoucir la peau là, dans le soft, je vais l'utiliser. Les gens, je trouve, peut-être manquent un peu de curiosité sur ce point-là, ou en tout cas. Fait que là, ça, c'est possible. Puis là, c'est le fun parce que plus de coloristes l'utilisent dès le départ. Et la peau, du coup, elle a une importance particulière dans la publicité. Enfin, est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel tout le monde... C'est des gros combats, ouais. C'est toujours le point d'ancrage. Même quand c'est par exemple, une publicité, je ne sais pas, moi, sur une sauce tomate ou j'en sais rien, est-ce que la sauce tomate devient l'étalon ou est-ce qu'on est toujours sur la peau... Les deux deviennent l'égalité, disons. Ouais, ouais. Il ne faut pas jamais que la peau soit... Ouais. Soit non contrôlée, disons. Là. Parce qu'on peut la vouloir laide, on peut la vouloir très texturée, on peut la vouloir de toutes sortes de façons, mais on la veut d'une façon, puis il faut qu'elle soit comme ça au final. Ouais. Est-ce que, bon,
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais est-ce que vous avez déjà eu des acteurs, des comédiens qui venaient voir un petit peu le rendu Non. Non, c'est pas arrivé. Ben, c'est parce que je suis une enfant, je fais pas de télésérie. En publicité, on est totalement pas exposé à ça. Là. Parce qu'ils ont vraiment comme. Ils ont signé, ils n'ont pas, grand chose à dire. Mais tu sais, j'imagine que, tu sais, comme on parlait de Salomé tout à l'heure, si ça lui avait pas plu, elle l'aurait dit. Là. Mais j'ai pas été confronté à ça du tout, je pense. Ouais. Alors, du coup, qui sont les interlocuteurs? Quand est-ce que vous êtes tout seul avec des gens, etc.? De façon générale, mes journées commencent seules. Puis c'est là que ben, je vais préparer la base du projet, la méthodologie. Corriger certains offsets de caméra, des trucs vraiment techniques. Puis après, je vais faire un look ou deux, puis le réal va arriver. Donc, je dirais que j'ai comme une heure et demie tout seul. Puis le réal arrive après. Puis, depuis quelques années, ce que je remarque, c'est que de plus en plus, les directeurs photos sont absents. Ouais, et puis ça, c'est très, très, c'est très dommage. On y perd tous au change. Parce que ils pourraient nous éclairer sur pourquoi ils ont fait tel ou tel choix. Parce que moi, j'arrive, je suis un nouveau, je regarde ça, puis là, je m'en fais une interprétation directe. Puis c'est pas forcément la bonne. Puis aussi, c'est que là, ça limite tous les échanges qu'on peut avoir pendant une journée. Ben, on les a pas. Puis des fois aussi, c'est des là, on va envoyer des still frames parce qu'ils sont ailleurs, mais là, ils sont pas dans une salle de colo, ils sont sur un téléphone. Bon, ça, c'est plus difficile. Fait que ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Mais par contre, j'ai constamment des réals avec moi là, qui ont un bon œil, là. Fait que ça compense. Et vous, le moment où vous recevez vos images, vous avez déjà quand même une idée de la directive. On vous a dit, on veut une image très froide. Souvent, je vais avoir comme souvent les montages se font ici aussi. Ouais. Fait que j'ai un moment de libre, je vais regarder le montage, je vais voir déjà de quoi les images ont l'air à la base. Souvent, on va profiter d'une période d'approbation avec client pour me faire venir, qu'on ait un brief, qu'on ait une discussion sur là où ça s'en va. Les réals vont m'envoyer des références, des still frames de films ou d'autres sortes de références de d'autres spots qu'ils ont vus. Moi, j'ai une bibliothèque de still frames de films que dans lesquels on peut piger puis fouiller pour toujours comparer par rapport à ce qu'on a fait. Du coup, j'ai oublié où est-ce qu'on en était, ouais. Mais... oui, moi aussi. aussi, par rapport à la question justement des images en fait montées, enfin, des directives, quand arrivent les directives en fait pour le look de l'image? Et est-ce que quand vous allez, par exemple, vous regardez des images au niveau du montage, si ça a été tourné donc en numérique, est-ce qu'elles sont déjà pré-étalonnées ou c'est vraiment du gros? Ah, c'est ça. Ce qui arrive de façon... Globalement, ce qui arrive ici est tourné en Alexa. Mm-hmm. Donc, c'est en log. Ou en RED, puis là, c'est du RAW. Mais quand on est en montage, elles ont été... y a déjà un look dessus. Un look très sommaire, mais qui n'y a pas de parti pris, qui reflète les conditions de shoot. Pour que le monteur soit à même de prendre les bonnes décisions, c'est une take est bonne, on a besoin de cette narration-là, mais que l'éclairage, tout ça, ça ne va pas du tout. Bien, ils savent d'emblée qu'il va y avoir un gros travail à faire. Parce que je dis ça parce que pendant un certain temps, les montages étaient faits carrément sur les sources en log. Puis là, le monteur, la shot est floue, il n'en a aucune idée.
Ouais. Ou en tout cas, ouais. Ça devient beaucoup plus dur ou par opposition, ça devient beaucoup plus facile d'accepter une transition qui fonctionnera difficilement une fois en colo. Est-ce que vous savez, parce qu'on parlait de recherche de look, etc., est-ce que vous avez aussi l'impression qu'il vous faut vous former en fait aux nouvelles caméras numériques et donc aux nouvelles types d'images accrochées à telle ou telle caméra? Parce que j'imagine qu'on ne traite pas les images de la même manière si elles viennent d'une Alexa ou d'une Red. Mais vous avez raison. Mais avec il y a eu de l'avancement dans les outils qu'on utilise qui nous permettent. Par exemple, si j'ai un timeline qui a du footage d'Alexa, de la Red et puis de la Sony, je peux utiliser le logiciel pour tout convertir dans le format propriétaire de Arri, en LogC. Et puis là, dans le fond, toutes les caméras répondent du coup de la même façon. Elles ont quand même des différences qui leur sont propres, mais c'est plus une sauce distinctive, c'est juste elles voient différemment. Certaines couleurs sont un peu plus jaunes dans telle caméra ou telle autre. Alors ça, je vais utiliser beaucoup cet outil-là. D'accord. Et alors, comme j'imagine, vous avez quand même, du coup, vous avez parlé d'Olivier Stowe, j'imagine qu'il y a des réalisateurs et ou des chefs des directeurs de la photo avec qui vous avez l'habitude de travailler. Est-ce qu'il y a certains projets, vous arrivez à intervenir, si vous voulez, en amont, en fait, par exemple au niveau des essais et ces caméras et ces maquillages, pour justement, du coup, avoir en fait une sorte de workflow qui est pensé de A, et puis quand on arrive à X ou Y, comme c'est vous, vous avez tout a déjà été quand même pensé pour. Oui, ça arrive. Ça arrive moins souvent qu'à une certaine période. Tout défile vraiment très vite présentement. Alors, ça arrive dans des projets qui sont plus, étonnamment, qui ont moins de budget, qui sont plus impliquants de la part de chacun des participants. Évidemment, ça change beaucoup la donne. Après, tout va beaucoup mieux. Vous avez des exemples un petit peu? De vidéoclips qui sont, tu sais, où des semaines et des semaines avant, dont les Salomé, où on discute avec le réal des différents trucs qui sont possibles, des différents trucs qu'ils voudraient essayer, mais que ça, peut-être en colo, on aura du mal. Mais c'est souvent, tu vois, dernièrement, il y en a un autre, c'est encore un vidéoclip, c'est à savoir comment on va faire ça pour... On peut pas le faire en set, il faut s'aider. Comment on va le faire en colo, qu'est-ce que tu aimerais avoir pour pouvoir le faire. C'était quoi alors du coup comme projet? Il n'est pas encore fait, c'est un vidéoclip pour Julien the Wolf. Mm-hmm. Puis c'est un truc que ils vont tourner en studio dans un cyclo. Et puis l'éclairage l'éclairage changera pas, mais il va changer tout le long de façon très graduelle. D'accord. Et là, ça implique de tourner. On va tourner sur un green screen. Et puis moi, je vais m'accrocher sur le green screen pour faire varier tout l'éclairage. D'accord, c'est vous qui allez jouer le rôle de chef éclairagiste. Ouais, c'est ça. Puis au final, ça va se terminer en noir et blanc. D'accord. Donc, du coup, les concerns de tourner sur du vert, ils n'existent plus. On va juste s'en servir pour modifier ce qu'on veut. Et alors, vous continuez à travailler sur du fixe, sur des photos fixes, ou plus du tout? Plus maintenant. Ouais. Je dis ça, mais dans la dernière année, c'est arrivé une fois. C'était honnêtement plus pour rendre service, puis aussi, ils avaient approché la chose, parce que ça demandait la sensibilité de colo, ce projet-là. Mais sinon, non, j'en fais plus. Peut-être que je vais en refaire un jour, mais tu sais, j'ai pas encore terminé de mettre les choses en place pour me relancer dans ça. C'est quand? Récemment, j'ai pas retravaillé sur de la photo, mais en tout cas, récemment, ça m'est arrivé de me dire, ah ouais, c'est ça, ça vient de
Je revoyais un mauvais réflexe, une mauvaise habitude qui revenait. Puis là, je me disais, ah, je me suis peinturé dans un coin, mais c'est le retoucheur qui a fait ça, c'est pas le coloriste. D'accord. La frontière où vous avez. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets ou précis où là, vous dites, là, j'ai agi en retoucheur et pas en étalonneur? Ah, mais c'est que retoucheur, là, si. On a juste un frame, alors. Si on voit un problème, ah, les bleus sont trop saturés, ok, je vais désaturer les bleus. Mais l'image, peut-être qu'elle avait besoin de jaune. Puis si tu as ajouté du jaune, ben, deux, trois plans plus tard, ta correction tient toujours, elle est toujours aussi bonne. Même si deux, trois plans plus tard, il n'y a plus de bleu. Il n'y a plus de bleu à désaturer. Mais ta balance est bonne. Ce genre d'erreur, avant, je le faisais beaucoup parce que c'était arrêté sur des frames. J'avais moins derrière la tête une approche globale. Puis ben, ça venait du fait qu'en retouche, on faisait aussi des gros compositing. Puis je pense à un truc pour le Cirque du Soleil. Puis en un mois et demi, on avait travaillé trois images. Mais ça en fait beaucoup de temps sur un frame arrêté. Tu le décortiques et tout, puis dans tous les sens. Puis c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas faire en combo. Ouais. Ouais. Oui, alors effectivement, et puis si un jour vous passez au long métrage, c'est encore une approche encore plus globale. Ouais. Ben, j'aurais du mal à. Présentement, là, j'ai vraiment une approche qui est globale, même à la rigueur, je dirais que je sais qu'elle est trop globale. Mais je m'entête à rester dans cet extrême-là, même si ça cause, dans certains cas, un peu plus de difficultés, mais ça paraît pas. Pour après ça revenir et être exactement même au bon niveau, au bon ratio. Ouais, voilà. Et. J'avais deux questions. La question du global. Oui, alors par rapport à la question de la manière dont la publicité, parce que tout à l'heure vous m'avez dit oui. On peut m'envoyer donc des captures d'écran, enfin des images, etc. Moi, j'ai ma bibliothèque et puis des fois, on compare pour voir par rapport aux référents, etc. C'est vrai que dans les années 90, la publicité, notamment grâce à l'étalonnage vidéo, en fait, et les clips aussi, ont joué vraiment un rôle dans un rôle avant-gardiste, en fait, par rapport en fait, au look de certains films. Ouais. Je pense à certains clips du début des années 90 qui étaient vraiment un cran au-dessus. Et, ouais. Par rapport au film. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous semble toujours valable, valide? Est-ce que c'est plus l'univers du clip que de la pub? Est-ce que la pub est plus dans la recette où on va refaire des choses? Ouais. Certainement, dans l'univers du clip, c'est encore très présent. Publicité, je pense que de façon mondiale, c'est très, très présent. Mais je pense que localement, ça l'est moins depuis quelques années. Mais je pense que ça tend à revenir. C'est ça. Puis, pendant que vous parliez, j'ai comme eu un flash, mais ça s'est réévanoui, je ne sais plus. Ça reviendra peut-être. Ouais, c'est ça. Est-ce que, du coup, vous avez, vous, parce que vous dites, oui, je recherche, et j'ai vu effectivement ce que vous partagez en fait sur votre site avec, donc pour le lissage de la peau, etc. Est-ce que, du coup, vous arrivez en fait à mettre en place des sortes de luttes, c'est ça en fait hein? Pour les, oui, les looks. Pour les looks, et que du coup, vous pouvez enregistrer et que vous pouvez ressortir et appliquer direct. J'en sauvegarde des looks, mais je les utilise pas vraiment parce que je les utilise juste pour voir rapidement un truc. Mais c'est vraiment une pâle copie de la vraie affaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder carrément le grade avec toute l'arborescence de node pour après pouvoir modifier certains paramètres à souhait, puis garder toute la finesse. Tu sais, parce qu'à quelque part, Resolve, c'est une LUT. Puis si tu prends une LUT qui sort de Resolve, ben, elle est vraiment... C'est des corrections approximatives. Il y a beaucoup, beaucoup de pertes, je trouve. Ah oui. Puis aussi, c'est qu'il y a certains... Ah, dans ce look-là, j'aimais beaucoup telle chose, mais tel autre truc qui ne fonctionne pas pour ce projet-là, ben, si je suis sur une LUT, ben, je suis pris avec. Puis si, par exemple, on serait reparti
on appelle ça un power grade. Si on part de ça, ben, c'est rien d'éteindre une node. En plus, je travaille très, très, très segmenté. Fait que, dans le fond, c'est chaque aspect est vraiment dans une node ou dans un groupe de nodes. Alors, c'est trois fois rien de l'enlever. D'accord. Ouais. Alors, justement, comment vous travaillez, en fait? Parce que est-ce que vous pourriez nous faire une petite démonstration ou quelque chose, en fait, rien que pour nous montrer un peu les possibilités, puis peut-être un peu comment vous sais travaillez, pas, là, en là, fait? Je sais pas, là, ça me... Ça... Non, c'est... pas, ben, c'est pas très, très... c'est pas vraiment... prêt. Juste un petit peu peut-être mais en fait, un peu les peux, différentes étapes. Je peux ouais. peut-être rapprocher ça ouais. ici. Alors, c'est bon, c'est le clip de ce matin de Volodia. Essayer de prendre un frame qui soit flatteur. Ah non, c'est un crash. Ça va bien. Parce qu'avant que vous arriviez, je m'étais mis dans une raise très élevée. Je vais repartir le tout. Mais ça, je vais pouvoir décortiquer un peu comment... super. Ben, l'approche, là, comment c'est bâti. Donc vous avez toujours... enfin non, ça fait combien de temps que du coup vous travaillez sur DaVinci? Six ans, je pense. Là, c'est ça, c'est que ce qui arrive, c'est que ma... J'ai fait un upgrade hier, ma base de données, elle est carrément vide, il reste juste le clip de... Vous avez combien d'heures pour faire une publicité? Je ne sais plus si... Ouais, ben c'est ça, c'est que ça varie de fois en fois, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est de 4 à 8. D'accord. Mais certaines campagnes ont énormément de spots différents. Fait que là, on va avoir. Mais on gagne au change. Là. On les a toutes live. On peut faire passer 2 ou 3 jours sur la campagne au complet. Ouais. Puis là, il va y avoir les... bon, toutes les variétés, là, les 60 secondes, les 30, les 15. Oui. Est-ce que vous faites aussi des étalonnages différents, par exemple, sur les pubs web, enfin, selon les... Est-ce que la publicité... Oui, on pourrait, mais non, ça, ouais, ça, ouais. N'arrive pas, ça n'arrive pas. Et du coup, c'est un étalonnage qui est fait, en fait, pour aller sur les écrans à la fois d'ordinateur et télévision. Oui, ça va supporter, ça va supporter les deux. Mais là, tu vois, là, dans la salle, présentement, c'est très éclairé bon, pour le tournage. Fait que les images vont avoir l'air trop sombres parce que tout est installé et calibré pour que l'image paraisse juste dans l'environnement présentement. D'accord, oui. Bon, ça, c'est un, ben, c'est un projet qui a été relativement simple à faire. Alors, si on regarde ici, je vais commencer par la toute fin. Mm. Est-ce que tu vois bien? Donc, c'est, ouais. Donc, c'est la... Bon, ouais, le grid est très, très simple. Parce qu'on est, on a fait, sur ce projet-là, on a fait pas mal de recherches de looks différents pour, à la toute fin, revenir sur quelque chose qui est très, très près de l'original. Comme je disais tout à l'heure, Volodia, c'est lui qui a réalisé aussi son... Il a co-réalisé. C'est indépendant de... Il a passé beaucoup de temps en offline, puis il est tombé en amour avec les images. Après, c'était difficile. Je pense que c'était difficile d'amener autre chose. On a vu, en tout cas, moi, il y avait plein d'autres versions que j'aimais beaucoup, mais que finalement, c'était très dur à vendre. Ça, aussi quelque chose aussi dont on m'a parlé plusieurs fois, c'est quand on commence à s'habituer à une image, après, on a beaucoup de mal, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai pour bon, les réals qui arrivent ici, puis là, peuvent avoir un choc en voyant quelque chose d'autre. C'est vrai aussi pour nous, c'est que si on ne travaille pas assez vite, on va s'habituer, après on va avoir beaucoup de mal à voir autre chose.
C'est quand même un des avantages, on en parlait tantôt, là, de lancer comme ça plusieurs possibilités dès le départ. Parce que par la suite, ça devient plus difficile. On a tendance à beaucoup préférer ce qu'on a suivi. Oui, on rentre dans des rails. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. De façon générale, comment les choses sont. Comment j'ai tendance à bâtir les choses, c'est de faire un. La portion look flotte au-dessus de tout, ramasse tout le monde. C'est l'équivalent de la péloche. Voilà. Mais ça, c'est comme geste, c'est un état qui est très simple. Et dans ce cas-ci, j'ai commencé, on voulait avoir un grain avec un feel très naturel. Mm-hmm. Alors, je l'ai appliqué sur le log, ce qui fait en sorte que toutes les opérations qu'on fait sur le look vont modifier son apparence. Puis, c'est très subtil, mais contrairement à certaines autres méthodes pour l'appliquer, dans certains cas, on l'applique à la toute fin avec un mode de fusion. Mm-hmm. Ça mimique vraiment bien l'affaire, mais ça, en tout cas, ça, c'est une préférence personnelle. Ça donne un peu plus de problèmes parce que là, tout le long du pipe, tu as du grain dans ton image. Ouais. Mais en tout cas, il y a des façons de contourner la chose. Comme ici, là, tu vois, on a la sortie, pas la sortie, mais l'entrée plutôt, qui est ici, là, ça s'en va vers le grain. Ensuite, il y a une série de corrections qui s'appliquent ici, qui sont des corrections basées sur des sélections. Ouais. Comme là, je disais, c'est assez simple, mais ordinairement, c'est plus complexe, en publicité notamment. Et ces sélections-là, elles sont réalisées à partir d'une autre version de l'image. C'est que là, dans le fond, le grain est présent dans l'image, alors on n'en veut pas. Alors, je tire une autre note ici pour partir de ça, pour bâtir mes sélections. Puis aussi, j'applique dans le fond, j'optimise, disons, le signal avant de rentrer dans des sélections. D'accord. Et à l'intérieur de ça ici, là, ça c'est un groupe, alors on peut rentrer à l'intérieur ici, puis là il y a le vrai set de correction, mais c'est basé, à cet endroit-là, je fais des corrections pour manipuler comment les couleurs, le color space finalement, pour le quand on parlait de sculpter, là, c'est là que je vais décider d'enlever des couleurs, de dire ça n'existe plus. Donc là, par exemple, il y a des couleurs qui ont été enlevées? Là, par exemple, il n'y a vraiment pas grand-chose qui a été fait finalement. Ben, on est passé par ça. Mais dans ce cas-ci, dans le cas présent, ça a été seulement on a uniformisé toutes les valeurs. C'est pas très éloquent là, sur ce plan. Toutes les valeurs froides du clip. Puis on les a uniformisés vers un seul point. D'accord. Une sorte de bleu-gris, là? C'est le bleu-gris que vous voyez là-bas. Dans les faits, il y avait le téléviseur était beaucoup plus magenta derrière. Ouais. Oui. Il devient bleu-gris. Les reflets sur les cymbales. Ça faisait en sorte que l'éclairage de la scène qui était plus froid, au départ, il était de différentes températures couleurs. Et là, il tombe d'une seule. Puis, il est plus harmonieux, puis accrochait moins l'œil au playback. Comme je disais, normalement, il y a plus de choses qui se passent à cet endroit-là. Ouais. Et par la suite, il y a certaines corrections qui sont générales. Là, qui sont normalement, ça n'a pas nécessairement besoin, il y en aurait juste une des trois. C'est juste qu'on a commencé à en faire une, et puis là, plutôt que de modifier la même, le système est capable de supporter en masse que j'apporte une nouvelle correction pour pouvoir la mettre en off par la suite, avoir une espèce d'historique non linéaire. En tout cas, ça, j'aime bien procéder de cette façon-là. Puis ensuite, il y a toutes les valeurs de contraste qui sont rentrées. Donc l'image l'image reste en log jusqu'à la toute fin. Puis à la toute fin, je la sors de là pour la rentrer en une ou deux. Là, c'est une étape, mais c'est en tout cas, c'est vraiment pas représentatif. Normalement, il y aurait deux, trois nodes pour
bâtir le reste de la manipulation. D'accord. Puis bon, ça, c'est comme je disais, c'est ce qui flotte. Donc ça, imaginez qu'on flotte, l'ensemble il flotte, des plans, c'est l'ensemble, ça s'applique à d'accord. tout. Ensuite de ça, si je descends ici, j'ai une correction qui est pour tous les plans trois quarts comme ça. Ah oui, d'accord. Puis si on va plus bas, là, c'est pas une publicité, mais normalement, ici, là, c'est là que ouais. c'est clip par clip, et c'est là que je vais bon, faire les ajustements d'exposition, puis de balance de blanc, mais aussi tout ce qui est relight. Qui est vraiment juste pour ce plan-là. Mais tout ce que je peux mettre ailleurs, je le mets ailleurs. C'est comme la dernière place que je veux mettre des choses. C'est le détail du détail lié à un ouais, plan. Ouais, c'est quelque chose que c'est sûr que ça ne peut pas aller sur deux clips en même temps. D'accord, ouais. OK. C'est un peu la méthode. Elle change de mois à mois. Ouais, ah bon? Ben, ça améliore toujours. Ouais. Mais il y a des trucs... que j'avais mis de côté, que j'avais développé il y a quelques années. J'avais mis de côté, je me disais, ah non, ça c'est pas assez smooth. C'est bon, à l'époque, je l'aimais plus. Puis que je retombe, je redécouvre, je me disais, ah non, ça c'était vraiment. je prenne plus de notes. Est-ce que est-ce que vous avez un petit peu de recul justement sur votre goût en fait en matière. Comment votre goût évolue par rapport à. Le recul. J'en ai pas suffisamment, puis je me rends compte quand il vient le temps de monter une démo, que là, je me dis « Ah ouais, j'ai fait ça, ouais. » Puis là, c'est là que je prends, que j'ai une vue d'ensemble sur mes influences et tout, là. Mm. Mais sinon, c'est ça, c'est que je sais pas encore comment je pourrais faire pour... Peut-être en gardant des frames de finaux de chacun des spots pour pouvoir les avoir toujours sous la main. Parce que c'est super intéressant d'avoir justement la vue d'ensemble. Mais ça, comme je dis, ben récemment j'en ai remonté un, puis ça a été comme ouais, ok. C'était bien intéressant. On imagine aussi qu'en publicité, je reviens un peu à ce côté soit avant-gardiste, soit on refait des formules, des recettes qui marchent, etc. On imagine qu'il doit y avoir aussi beaucoup de grandes tendances où, par exemple, dans les années 90, on a beaucoup écrasé les visages, on a presque surexposé, enfin, on allait vraiment dans des choses... Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que des fois, il y a aussi une sorte de fatigue quand l'énième client vous demande la même recette ou le même look? Ou est-ce que ça, c'est quelque chose... Ben, il n'y a pas tant de grande fatigue, là, mais il y a quand même... J'ai hâte qu'on accepte de plus de contraste dans les images. Je trouve que on regarde partout ailleurs, il y a beaucoup plus de contraste qu'ici. Partout ailleurs, c'est... Partout ailleurs dans le monde, là. D'accord. Ben, pas partout, c'est pas vrai. Ouais. Au Japon, c'est encore hyper flat, là. Ouais. Pis, ça. Mais c'est ça, j'ai hâte qu'on... Pas nécessairement qu'on pense carrément à autre chose, mais qu'on s'ouvre avec un peu plus de couleurs. D'accord. C'est comme ce projet-là que je viens de montrer. Ouais. Tout de suite, j'ai accroché parce que l'artiste est super bon et tout, mais aussi parce que c'était... Il y avait un parti pris qui avait été pris, là, ça avait été éclairé, coloré, ça allait finir coloré, ultra coloré puis contrasté. Puis finalement, c'était comme j'avais besoin de ça, puis je voulais me servir à quelque part. Il faut tous sortir gagnant de l'expérience. Mais j'ai pu tester une panoplie de trucs sur du genre de footage que je ne reçois jamais. Des trucs très, très colorés comme ça, c'est vraiment plus rare. Fait que là, ça concordait avec un moment un peu plus... un moment d'accalmie. Là. Tous les gens sont à Cannes. C'est plus calme pendant ce temps-là. Fait que là, j'ai pu en profiter pour explorer les possibilités. Avec tous les acquis que j'avais. Donc plutôt une tendance en fait, que vous avez notée ces dernières années, une photo pas très contrastée et avec des couleurs plutôt désaturées. C'est pas mal ça. Puis tu vois, quand je regarde mon dernier démo, tu sais, je le vois beaucoup par rapport à l'ancien. Mais c'est aussi, et ça vient avec le fait, c'est l'entourage, là. C'est la patte de certains réals. Ils aiment ça comme ça.
puis c'est eux qui le vendent après, là. Fait qu'on fait comme ça. Mais il reste que c'est pas des genres d'images que j'aime pas, c'est juste que j'aimerais avoir une plus grande variété à me mettre sous l'œil. Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus du coup sur ces plans dont on a parlé tout à l'heure, mais je crois que ça n'enregistrait pas encore, sur ces plans avec lesquels débute en fait la bande démo de 2016, ces fameux plans de cette femme en fait. Ouais. Vous avez travaillé, enfin vous avez montré tout, qui était déjà là dans celle de 2014, c'est ça? Ouais. Où on voyait effectivement, alors là, des explosions de couleurs, enfin vraiment des changements extraordinaires, mais au niveau du plan en général. Et là, en fait, c'est vraiment sur la peau. Mm-hmm. Donc on a ces taches de rousseur qui apparaissent, qui disparaissent. Enfin, c'est une sorte de morphing, en fait, de tout ce qu'on peut faire. Ouais. C'est que ça, je me suis penché, j'ai un grand intérêt pour... C'est comme le retoucheur en moi qui ressort. Un grand intérêt pour la peau, pour pouvoir la contrôler, contrôler son apparence. Puis là, c'est ça, récemment, je me suis penché là-dessus pour le pousser davantage, puis atteindre des plus grandes, des meilleures techniques, développer des meilleures techniques. Et puis, ça, je suis parti de cette shot-là. Bon, c'est sûr que c'est autant cette shot-là était bien, malléable côté colo pour la version 2014. Je l'ai repris parce qu'elle était quand même malléable côté retouche. C'est sûr que quand je lui détruis l'œil ou que mais elle peut aller dans tous les sens. C'est. Et puis, dans le fond, j'ai essayé de trouver. Bon, évidemment, la demande la plus répandue, c'est d'enlever des défauts, mais des textures seraient trop fortes, de les atténuer. Et je me suis penché sur ça pour améliorer les techniques que j'utilisais, qui étaient avant, qui étaient des techniques qui étaient basées beaucoup plus sur, justement, influencées sur le travail de retoucheur, qui est, OK, il y a quelque chose là dans le front, on va le sélectionner, on va le traquer, on va le modifier. Mais là, en faisant cette recherche-là, j'ai pu développer des façons de finalement corriger tout en même temps. Et puis au final, tout est encore là, mais tout est juste mieux, un meilleur ratio, puis il ne dérange plus l'œil. Puis ça passe inaperçu. Ça, dans un premier temps, j'ai décliné aussi. Je voulais chercher aussi à vieillir, à fatiguer. Et puis là, c'était il y avait beaucoup de corrections qui étaient globales, mais certaines, comme notamment pour la fatigue, il y avait certains cas où il fallait que je m'appuie pour les cernes sous les yeux. C'est quelque chose qui ne pouvait pas tant avoir une approche globale. Mais il y avait beaucoup de la fatigue qui jouait sur des ajustements qui sont sur toute la sélection du skin tone. Il y a un truc aussi qui était assez cool. Puis là, dans la démo, il faut être très attentif, il faut le voir en plein écran pour pouvoir l'apprécier. Puis c'est parler de taches de rousseur qui sont ressorties. Mais ça, c'est quelque chose qui était... C'est dans le fond, pour le faire, je suis accroché sur des détails qui étaient comme creux dans la peau, là, qui étaient vraiment... C'est comme l'inverse de la retouche, là, d'atténuer. C'est le genre de détails qu'on aurait vraiment très atténué. Et puis là, je m'accrochais sur ça pour les accentuer au maximum, sans que le port de peau, lui, qui est déjà très fort, monte de quoi que ce soit. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant. Je ne sais pas quand ça va servir. Un jour, ça servira. Ouais. Ou, à tout le moins, ça ne sert pas sur la peau. C'est que ce genre de concept-là s'applique sur tout. Faire remonter l'ombre. Accentuer certaines... enlever de l'uniformité. Mm. On peut voir ça comme ça. Puis nettoyer des... Je me rappelle d'un spot de voiture que j'avais nettoyé la voiture de la même façon que je nettoie un visage. Mm. Puis normalement, ça aurait été en camp, mais là, ça a été fait en colo. C'était...
c'est la voiture grise où vous rajoutez une petite bande. Dans le bande, tu sais, il y avait des pocs dedans, des mauvaises réflexions. Fait que dans le fond, il y a une partie relight qui a été faite à la toute fin. Mais aussi avant le relight, il y avait un truc pour enlever ces défauts-là. Parce que souvent, c'est ça en publicité, on est avec des. En voiture, ça va être des prototypes qui sortent de l'usine, ils sont pas peinturés, ils sont pas très beaux. Ils ont besoin d'un coup de main. En même temps, on parlait tout à l'heure d'une tendance de la désaturation, etc. Et en même temps, quand on regarde, par exemple, justement dans les démonstrations, un peu les avant-après, notamment je pense aux pubs de voitures, on voit la petite voiture circuler dans un paysage magnifique, etc. Je me rappelle plus ça. Ouais, c'est en bord de je sais plus si c'est une pub pour voiture en fait, mais c'est en bord de mer. Et donc, c'est peut-être un Spider, le bombardier, une moto à trois roues. Et là, on voit bien en fait, par contre, que vous avez densifié en fait les couleurs et notamment le bleu de la mer, du ciel, etc. Donc il n'y a pas cette tendance-là aussi dans la publicité de densifier, de donner tout plus réel, plus vivant, plus quand c'est bleu, ça doit être bleu quand c'est je comprends, je suis assez d'accord, mais je trouve qu'on est un peu conservateur là-dessus. C'est tout à fait quelque chose qu'on veut les pousser, on veut les sélectionner, les scinder, les différencier du reste. On veut que ça accroche l'œil, que ça dise, mais dans ce cas-ci, tout de suite, il fait beau, il fait chaud, tout est blanc. Ouais. Tout est positif. Et la vie est normalement belle quand on conduit un Can-Am Spider. J'ai une dernière question un petit peu sur le partage, en fait, justement, parce qu'on a parlé un petit peu de recettes au début de l'entretien. Effectivement, vous avez rappelé effectivement, ce qu'on trouve sur votre site, c'est-à-dire les recettes, justement, enfin, certains modes de fonctionnement que vous expliquez. Quand est-ce que vous avez pris cette décision, en fait, et pour quelles raisons, en fait, vous vous êtes dit, ça, je vais le partager. Et puis, de manière plus globale, un petit peu comment vous voyez un petit peu la communauté des étalonneurs. Je pense à ça parce qu'en France, aujourd'hui, on a une association, en fait, de chefs étalonneurs, en fait, qui est en train de se monter. Okay. Et donc, du coup, je me demandais si c'était quelque chose auquel vous aviez déjà pensé un jour. Ça se discute aussi de ce côté-ci. Il y a une communauté sur le web qui partage beaucoup d'informations, mais il reste qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont très, très, très fermés. On partage beaucoup, mais il y a quand même certains secrets qui ne peuvent pas sortir, parce que sinon, on perdrait trop. C'est bête, là. C'est bête parce que si on partageait tous comme ça, on augmenterait tellement notre capacité tout d'un coup, puis notre rendement, puis en tout cas, ça serait magique, là, mais sauf que l'ascenseur ne revient pas nécessairement. Et est-ce que justement le fait de mettre en place une association, ça pourrait être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire en fait de une forme de protection en fait d'un groupe professionnel, quoi. J'ai du mal à comprendre. Par exemple, je sais que l'AFC, qui est l'Association française des directeurs de la photographie, elle a été aussi mise en place, si vous voulez, pas pour former une sorte d'élite des directeurs de la photographie, mais il faut quand même être parrainé, avoir fait tant de films, etc. Enfin, c'est-à-dire que à une époque où justement des logiciels comme DaVinci en fait sont quasiment disponibles pour chacun, dans quelle mesure on pourrait imaginer en fait une association qui finalement serait une sorte de garantie d'un certain je pense que c'est tout à fait souhaitable. Il y en a une qui est parti aux États-Unis, dont je viens tout juste de mettre membre. Mais ça commence. D'accord, il y a c'est aussi, c'est ça. D'accord. Puis, c'est sûr qu'on va gagner au change, on va gagner parce que justement, les outils sont devenus disponibles pour n'importe qui. C'est vraiment cool pour que n'importe qui puisse travailler là-dessus, mais à quelque part, les gens n'ont aucune protection quand ils engagent. N'importe qui.
Fait que c'est, ça serait bien. Puis aussi pour le rayonnement puis la reconnaissance, parce que elle est au niveau de... Ben, elle est très, très basse, finalement. Mm. Parce que ben, c'est un métier de l'ombre. Puis jusqu'à tout récemment, on avait une implication très, très limitée, mais là, elle est de plus en plus grande. Puis il y a certains directeurs photo, ici, je pense à André Turpin, qui est hyper reconnaissant. Puis c'est le seul, je pense, directeur photo que j'ai entendu, en allant chercher un prix, remercier son coloriste, Jérôme Cloutier. Fait que ça, c'est quelque chose qui devrait comme devenir comme un automatisme. C'est parce que c'est vraiment un travail d'équipe pour y arriver. Là. Ça n'enlève rien au DOP, tout le travail que le coloriste va faire, mais c'est comme s'il y a deux. Là, puis, après les Oscars, il y a eu beaucoup de discussions justement autour du fait que ben là, il devrait y avoir une catégorie de prix pour les directeurs photos qui sont aussi penchés sur tout faire, tout refaire en poste. T'sais. Mais je pense que ça, c'est pas recevable. Comme, il ne devrait pas y avoir deux catégories, mais il devrait quand même y avoir plus de reconnaissance pour les coloristes. Parce que là, c'est comme. C'est un peu de la triche, tu sais. Moi, je le vois comme ça. Parce que. Le commun des mortels pense que ça a tout été fait comme ça. Oui. Parce que, alors, en publicité, du coup, effectivement, il n'y a pas de générique. Donc, non. Mais par contre, pour Projet M, du coup, vous êtes posé la question de savoir où est-ce qu'on va mettre dans le générique, à quelle place. Ah ouais, ben, c'est un autre des constats, c'est qu'on est à la toute fin. Hein. Ça n'a aucun bon sens. Mais dans Projet M, je ne me suis pas questionné. Là. Dans les séries, ben, j'étais à la fin, je ne sais pas où, j'ai vu mon nom. Dans le film, j'étais au tout début, ce qui est vraiment très rare. Mais je pense que c'est ça, ça devrait remonter les échelons dû à l'implication. Bah oui, vous voyez du coup plus toujours en lien en fait avec l'équipe de post-production ou remonter carrément dans, enfin remonter, enfin ah, être, je sais pas, je me suis être pas... lié à l'équipe image. Je me suis pas questionné. Bah, peut-être qu'elle est liée avec l'équipe image, ça ferait du sens, mais en même temps, c'est de la post-production là, qu'on fait. Je pense que ça mériterait juste d'être remonté. Mais je me suis pas questionné davantage. Et une dernière question par rapport justement au fait, à l'avantage en fait de faire partie de Studio Élément. Du coup, est-ce que vous avez des échanges avec vos collaborateurs de Québec quand vous posez des questions, etc. Enfin, ouais, ben c'est ça. Ça c'est très très cool parce que dans tout mon parcours, j'ai toujours été un peu seul. Les échanges, j'ai venu sur le web là, avec d'autres coloristes. Mais là, d'avoir quelqu'un, un autre coloriste qui a beaucoup de talent et qui a beaucoup d'expérience avec qui je peux échanger pendant des heures, s'il le faut. Mais ça fait vraiment toute la différence. Ouais. C'est vraiment cool. Ouais, très bien. Et donc, vous allez donc déménager au deuxième étage du même immeuble, c'est au ça? Au deuxième étage du même immeuble, oui. Donc, alors, dans cette année ou... Ça va sûrement aller voir décembre, peut-être. D'accord. Ouais. Et donc, il y aura plus de... Vous allez changer d'équipement? Il y aura plus de salles d'étalonnage? Plus de salles d'étalonnage. Ouais. Ils ont aussi des bureaux à Toronto, à New York, à Londres. Ils veulent en ouvrir aussi à Paris. Mais le but, ils veulent pas avoir des coloristes à New York, ils veulent pas avoir des coloristes à Toronto. Ah oui. Ils veulent juste envoyer l'image que je pense traiter à Toronto ou à New York. Fait que ça devient c'est très lourd techniquement à porter, mais ça a quand même beaucoup de flexibilité. Puis, Fait que ça, ils visent, c'est ce qu'ils visent. Les salles vont. Présentement, on est. Bon, pour parler technique, on est sur Mac. Les salles vont certainement changer. Ouais. Parce que c'est l'abandon là, total de ce côté-là. L'abandon de Mac, vous voulez dire? Oui, on va certainement abandonner tout le côté D'accord. Macintosh. Là. Parce que. Leur nouvel super ordinateur est vraiment... était désuet
au moment où ils l'ont sorti. Nous, on peut pas se baser là-dessus. Moi, j'ai présentement le Mac Pro, c'était la dernière génération qui change de modèle qu'on a pour la salle de colo. Il est comme au maximum de tout. Puis tous les calculs, il faut savoir que tous les calculs de colo sont faits en temps réel grâce à des cartes vidéo. Alors, c'est ce qui nous permet de fonctionner encore avec une vieille machine, c'est qu'il y a beaucoup qui tient juste avec des cartes vidéo qu'on peut avoir le dernier cri. Puis là, on peut en avoir vraiment beaucoup. On a des boîtes qui s'appellent les Cubics. Puis c'est des expansions. Alors, on peut en avoir vraiment plein. D'accord. Aucune d'entre elles pourrait rentrer dans un Mac Pro. D'accord. Et ça me permet de... Parce qu'en plus, j'ai un style qui est vraiment lourd là, sur à processer, toute la retouche et tout. Ça en prend beaucoup derrière. Mmh. Et ça, ben là, prochainement, ben, il faut changer. Parce qu'il y a aussi les demandes vers le 4K, 6K, 8K sont de plus en plus présentes. Puis là, ben, faut s'équiper pour être capable de le rendre avec autant d'aisance que... Parce que là, on est habitué de faire une panoplie de trucs. On pourrait rouler en 4K, en 6K. Ouais. Ben, comme celle-là, c'était en 4K, mais il y avait, somme toute, très peu de corrections ciblées. Donc, on n'avait pas de problème. Voilà. D'accord. Bon, ben, très bien. Et peut-être aussi, pour finir, est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, une publicité en particulier ou un... On a parlé de ce clip-là, on a parlé des clips de Salomé, mais... Ou un projet particulier qu'on n'a pas abordé, que vous aimeriez aborder, qui est... je sais pas trop. Mais en faisant la démo, j'ai beaucoup aimé les spots, mais ça va quand même à l'encontre de ce que je disais plus tôt, parce que c'était des spots assez low contraste et basse saturation, des spots de lait, j'ai fait avec Guillaume de Fournée. Plusieurs campagnes que j'ai fait avec lui. Parce qu'il y a certaines qui images sont très poussées, très, très, très blanches, très, très surexposées, avec presque une sorte de look un peu super 8, mais noyé dans la neige. Enfin, aussi. Ouais. Et puis, avec Guillaume, on a beaucoup travaillé sur. Sur les visages, ils ont une grande importance. Puis c'est aussi, tout à l'heure, je parlais d'un look qu'on n'aurait jamais pu passer sans faire la retouche. C'était sur un de ces spots, et c'était un des rares. On avait une couple de fois de pousser énormément les contrastes. Mais c'est avec lui que j'ai pu faire ça. Mais je précours, j'en oublie plein. Bah oui, c'est vrai. Ouais, évidemment. Bon, merci beaucoup. C'est tout. Oui. Bon, bien. Parfait.